Salut tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo qui va vous intéresser fort parce que souvent ça intéresse de retour à Montpellier, là on est à la maison, on va reprendre les vidéos à la maison, ouais. C'est léger, du coup là, on va vous montrer tous nos sacs de luxe, ouais, il y a quelqu'un qui nous a envoyé ça comme recommandation, et on s'est dit pourquoi pas, donc c'est pas à prendre en mode, vous montrez tous vos trucs de luxe, vous la pétez, je sais pas quoi, archi pas. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut s'offrir des trucs de luxe. En plus, c'est des trucs qu'en vrai, on a acheté, ça fait longtemps. C'est pas comme si on en a acheté toutes les semaines et tout. Si vous économisez, si vous gérez bien votre argent, des petits cadeaux. Si vous économisez même pendant un an, s'il le faut, vous pouvez vous en offrir. Donc, c'est pas vraiment. Et en plus, on travaille beaucoup. Et voilà, c'était des plaisirs. Voilà, on s'est fait plaisir. Et c'est pour, souvent, c'est pour des événements aussi. Ouais, surtout des événements, vous allez voir, on va vous détailler et à chaque fois c'est un événement. Voilà, donc, allez, donc je commence. Du coup, moi je vais commencer par le premier sac que j'ai eu. Après Michael Kors, je trouve pas que c'est vraiment du luxe, mais je voulais quand même les mettre. Sur le moment, quand tu l'as eu, c'était luxe. Après, maintenant, vu que tu as eu d'autres marques, tu dis que c'est moins luxe, mais quand tu l'as eu, tu étais grave contente. Donc voilà, mon premier, de premier, c'est Dylan qui me l'a offert. L'événement, il n'y en avait pas. C'est parce qu'on avait gagné au casino. C'est parce qu'on avait gagné au casino. C'était un élément déclencheur. Du coup, il m'a offert ce sac-là que je voulais trop. En fait, je voulais trop un noir. Voilà quoi. Il y avait une bandoulière aussi, non? Ouais, et il y a une bandoulière. Après, je ne vous cache pas que j'ai dit que celui-ci, je le donnerai à ma fille et je ne le touche plus parce que je ne l'aime plus. En fait, elle a trop saigné. En fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais bref. Mais quand on l'a eu, il était terrible. Mais je l'ai trop saigné et même... franchement, en vrai de vrai, je vais vous dire, il n'est pas très pratique. Ouais, parce qu'en vrai, en fait, il reste ouvert. Il n'y a qu'une fermeture au milieu, ça veut dire, même si tu le fais tomber, si on te vole ou quoi. Donc maintenant, c'est à Dylan. Là, c'est les jeux, on passe à moi. Vas-y, on le fait dans l'ordre. Mais après, sinon, ça va, il est grand, on peut mettre beaucoup de choses, mais il se ferme pas. Et en plus, il fait mal. Genre, il t'en parle. Sérieusement, on passe dans l'ordre. Moi, j'ai acheté cette sacoche à mon anniversaire 2019 et je la mets encore. Mais après, on vous mettra les noms. Non, celle-là, par contre, je sais pas ce qu'on a, je te jure. Mais tu vas voir sur internet. Et elle y est plus. Sur Louis Vuitton, c'est sûr. Non, elle y est plus. Dans Safari. Impossible. Bref, vous allez pas la trouver, il n'existe plus ce modèle. J'ai aimé les initiales DA. DA, Didi et Aina. Enfin, Dylan et Aina. Et voilà, cette sacoche, je la kiffe, elle est grande. Toutes mes affaires, tu vois, il y a grave de la place dedans. Elle est un peu trop grande. Elle est un peu trop grande. Maintenant, les gens ont plus des sacoches petites, mais moi j'aime les grandes. Ça veut dire que je l'aime encore, je la mets encore. Encore. Et elle est grave d'art. Et du coup, bah, événement, c'était mon anniv des 19 ans. Voilà, à lui-même. Ouais, c'était avant qu'on aille à Madrid. Moi, c'est 19, ça va faire quoi? Des McQueen. Ah ouais. Ouais, c'est des McQueen. Ça veut dire que c'est léger. Moi, j'aime beaucoup cette sacoche. Prochain sac, encore un Michael Kors. C'est ma belle-mère qui me l'a offert. Ça, c'est récent, ça. Ouais, c'est très 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 récent. En fait, elle vend plein de sacs. D'ailleurs, je vais lui faire une pub. Mais du coup, pas dans cette vidéo. Elle vend plein de sacs et authentique. Hein. Et du coup, j'ai. Si on peut écrire sur Instagram. Ouais, si vous voulez, je vous écris sur Instagram. Et là où elle vend les sacs, voilà. Elle vend du Valentino, Calvin Klein, Michael Kors, etc. À des prix remarquables. À des prix remarquables, non mais vraiment. Et du coup, elle m'a offert celui-ci. Et c'est de l'authentique. Authentique. Par contre, on a oublié de dire. Genre. Il n'y a pas de faux, que du vrai, c'est tout. Genre, il y a. Jamais d'avion, mais du faux. Elle vend avec les certificats. Si vous n'avez pas les moyens, attendez un petit peu pour avoir du vrai. Vous jetez pas sur du faux. Si c'est pour montrer aux gens, on s'en fout des gens. Magnifique! Au suivant, ma vie. Vas-y, passe, parce que moi j'en ai moins. Ça veut dire faut que tu accélères un peu le mot. Bah non, je vais faire dans. Bah vas-y. Alors, on passe aux pochettes. Alors, non, ça c'est pas après. Ah, mais ça c'était. Alors, ça c'était à Dylan. Ouais, ça non, si je lui ai fait le cadeau. C'était à Dylan. Ça, elle l'a pris comme ça en fait, c'est tout. En fait, je l'ai pris. Il m'a pas fait de cadeau, rien du tout. C'est pas un cadeau, ça me l'a pris, c'est tout. Je lui ai pris, c'est tout, mais jamais. Parce que je l'avais avant. Franchement, je vous dis la vérité, les pochettes, c'est trop chiant. Ouais, surtout si vous avez pas une sangle. Tu danses, t'es comme ça, t'es tout le temps. À part si t'as le truc pour tenir. Non. Ok, prochaine, j'ai la sangle, elle me fait chier quand même. Non, mais c'est parce qu'elle est trop grande.
Alors celle-ci, mais elle est biggie et en plus on me voit à 10 000 km. Mais elle est grave d'art. Elle me fait chier. Oh là là. Elle me fait trop chier. Elle est belle. Mais sinon elle est trop belle. En fait je l'avais vue à Dubaï, j'avais dit oh j'aime trop nanana. Et lui il l'a acheté un mois plus tard. Mais quand je l'ai acheté, elle était pas contente. Non mais si, mais en fait j'avais déjà changé d'avis sur la pochette. Mais en fait au final je l'aime, elle est très belle. Sinon, mais sinon, les pochettes. Moi je la reprends frère. Les pochettes, ça fait trop chier les filles. Ouais, hey, dites-nous en commentaire, avouez que ça fait chier. La Louis Vuitton qui est petite, ça fait là, chier. Je pense au calme. Ouais. Même la pochette Louis Vuitton, je la voulais, mais quand j'ai réfléchi, j'ai dit je la veux plus. Ouais, parce qu'en vrai, c'est chiant. En fait, je veux que des sacs à bandoulière, moi. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà. Bon, moi en fait. Ah, mais on n'a pas dit les prix, ma vie. Oh, ça, je sais pas, par contre. Les prix, j'en sais, je sais plus. Ma sacoche Louis Vuitton, c'était 900, mais ça, c'était avant. Ça, je l'ai acheté 500, maintenant elle a 700 je crois carrément. Ah oui, ça, les prix, c'est ma banane tous les ans. C'est ma banane de plage. Moi j'ai un type de truc, ça c'est pour la plage, vous avez capté. Gucci, normal. Bah ça vous connaissez, tout le monde l'a presque. Et voilà, il y a grave de la place. Ça vraiment c'est parfait pour la plage. Parce qu'en plus, regardez derrière, il y a des trous. Ouais. Et se dire l'eau, ça s'absorbe. On dit comme ça, ouais, j'ai un petit bug. Mais en gros, avec l'eau et tout, même la mer et tout, c'est carré. Alors que les autres sacoches sont en cuir, c'est-à-dire c'est bizarre. C'est-à-dire celle-là, tu vois, tu la mets comme ça, enfin, je la fume. Mais vous avez capté quoi, c'est ma sacoche de la plage. En fait, je vous explique comment il voulait la mettre. Non, je la mets comme ça des fois. Je la mets, ouais, mais ça ne va pas là, gros porc. C'est un panda. En fait, tu veux jamais me prêter ces trucs, ce gros crevard là. Ben ouais, c'est pas pour les filles, frère. Si. T'es un ouf, toi. Ensuite. Vous connaissez tous la boîte Yves Saint Laurent. Ah, carrément, on enlève les chaises là où d'habitude on est assis, on s'est fait un studio là. Là, c'est un studio. Alors, YouTube, vous pouvez le mettre, c'est le Wallet on Chain. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est. Ça, ouais. C'est Chanel. Ah, ouais, ouais, mais c'est, je crois que c'est ça aussi. Je crois que c'est ça aussi. Hein. Je crois que lui aussi. Du coup, il se présente comme ça. Vous pouvez le prendre en pochette si vous voulez. C'est son premier moi, vrai sac de luxe. Je le prends jamais. Ouais. Pour mon anniversaire des 19 ans à Londres. Ouais. Meilleur anniversaire. Et c'était. Enfin, non, c'était pas le meilleur. Enfin, si, c'était l'un des meilleurs. 2020. 2019-2020, quand on a changé d'année. Et sinon, moi, je le mets tout le temps comme ça. Mais voilà. Il est terrible. Celui-là, et c'est vraiment pas le un mini, sac. Hein. En fait, vous avez aussi le mini, ouais, mini soirée, mais lui, c'est le. On va dire. Celui-là, avec une robe, tout ça, tu mets ce sac. Ouais. Tu magnifique. Pètes un vrai flow. En cuir grainé, magnifique. Bleu en plus, c'est de la bonne qualité, vraiment. Et en gros, là, pas, à l'intérieur, ça se présente comme ça. En vrai, de vrai, vous pouvez mettre votre carte, votre argent et tout, pas grand-chose, mais il est bien quand même. Pour le prix, celui-là, c'était 1 200 €. Après, le reste, on a dit pour tous les prix. Ouais, l'autre, c'était 900, l'autre, 550. C'est à toi, Manu. Bref, là, on passe à quoi on passe à mon... Ah, ça c'était à mon anniversaire. C'est pas une sacoche, mais vas-y, on va le faire passer dans. Bah, si, c'est un sac en vrai. C'est mon sac à dos Louis Vuitton que Nana m'a acheté à mon anniversaire de mes 20 ans. Ouais. Vraiment un cadeau incroyable. Vraiment. C'est le trophée de Koh-Lanta. Je sais plus, il coûtait combien. Non, par contre, il est grave tard. Ça coûte 1450, je crois. Maintenant, ça a augmenté. Mais tu vois, ça c'est mon sac parce que nous, en fait, on fait plein de voyages. C'est-à-dire, tu vois, là, je le mets comme ça. J'arrive à l'aéroport. Sac cadeau, sac cadeau. Salut. Sac cadeau, sac cadeau. On va à Miami. Ah, vas-y, c'est parti. Sac cadeau, sac cadeau. Ouais, c'est, tu vois, c'est mon sac de footballeur en fait. Vous avez capté, quand je vais à l'entraînement, je mets ce sac. Et voilà, c'est léger. Et là, je sais pas si on voit bien, mais le sac, merde, il a plein de paillettes. Parce que Nana, elle a foutu la merde, elle me l'a personnalisé. Un jour, elle m'a envoyé un tas de brume. En fait, je voulais lui mettre du brume parce c'est que. C'est plus jamais pas. Parti. Et en fait, c'était un brume à paillettes, je m'en rappelais plus. Et du coup, bah. Mais après, en vrai, c'est un flow. Bah ouais, c'est trop beau. En vrai, il a un flow. Il est trop mais beau. Mais sur le moment, j'étais un peu. Ah non, et tu leur as dit aussi le. Ouais, les initiales, mais c'est parti un peu. Ouais, c'est parti. Nana, elle était partie mettre les initiales au magasin parce que moi, en plus, elle avait mis 10 ans à les faire, les initiales. Je sais pas si on voit écrit DA. Mais sinon, pour à l'intérieur, tu peux mettre beaucoup de trucs. Genre. Oui et non. En fait, ça dépend. Genre, si par exemple. Des tu petits prends trucs, juste... si. Par exemple, tu peux mettre tous mes sacs à peu près. Tu peux mettre que des plein d'accessoires, mais par exemple, tu peux pas le prendre en mode tu pars que en vacances avec ouais, ce non, sac. Ouais, non, tu peux pas. Tes ouais. affaires, c'est toi. Pas un sac de randonnée, hein. En fait, ça, c'est vraiment en mode tu rentres tous tes accessoires,
tous les trucs que t'as besoin pendant les vacances, bon, mais pas vraiment des vêtements. Alors celui-ci. Alors je vous dis la vérité, au début j'aimais pas du tout le modèle comme ça, Zadig et Voltaire. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais pas. En plus tout le monde l'avait et tout. Mais oh là là, quand je l'ai vu, la couleur. Je crois que c'est cette couleur. Ouais. La couleur, quand je l'ai vu à Valley Village, j'ai trop kiffé. Et il a dit qu'il me l'offrait. Du coup, il me l'a pris. C'était un petit cadeau. C'était 190 euros, je crois, il me semble, à la Valley Village. Et il est super pratique. Si, c'était ça. C'était pas 200. Non. Lui, il aime bien augmenter les prix et après, je lui rappelle. Ou des fois, boule. Il m'augmente les prix et après, je me rends dans les factures, c'est pas du tout le même prix. Tu peux me mentir, toi. Oh. Mais sinon, tu peux mettre à l'intérieur beaucoup, beaucoup de trucs. Franchement, il est grave pratique et tout rentre. Parce qu'il y a certains sacs. Bon. Petit bonus, on va vous montrer aussi nos portefeuilles et porte-cartes. Mais moi, j'en ai deux. On a même pas fini. J'ai pas fini, mais moi, il me reste pas beaucoup de choses. C'est-à-dire, moi, je fais l'imposteur un peu. C'est-à-dire, moi, j'ai quoi? J'ai un portefeuille Louboutin. Je suis désolée, attendez, je vais dire un truc. Désolée, des fois, vous regardez des vidéos plus organisées pour les sacs et tout. Mais nous, on n'est vraiment pas organisés. Bah, nous, c'est comme ça, nous, ça réel. C'est freestyle. Comme ça, à l'intérieur, vraiment, il y a tout qui rentre. Après, c'est vrai que, vas-y, avec les pics, des fois, c'est un peu chiant. En fait, ça, c'est mon portefeuille, genre en vacances. Genre en mode, je le tiens à la main comme ça. T'as capté? Comme un footballeur, voilà. C'est comme ça. Didi, il a signé à United, les gars. Bref, et là, Didi, mon porte-carte. Commence pas à dire des trucs de ouf, toi. La vidéo, je vais la couper, frère. Non. Dis que j'ai un bon niveau, toi. T'es nul! Bref, là, on passe. Porte-carte que Nana m'a offert. C'était quoi? C'était à Noël, ça? Ouais. Vraiment, il est trop pratique. Vraiment, il est incroyable. Vous mettez vos cartes. Bah là, je les ai enlevées parce que quand on travaille, on est à Montpellier, je mets tout dans mes poches. Mais bref, là, vous rentrez tout, même carte d'identité et tout. Tac, tu mets, tu tiens comme ça, dans ta poche, ça rentre, tu te barres, c'est léger. Bref. Ça, bah, c'était mon cadeau, je sais pas ça coûte combien. Et ça, c'était 600 euros. C'était... franchement, je sais même plus. Et ça aussi, l'événement, c'était... après, on avait gagné au casino. Ouais, casino. Genre, je suis parti là-bas, là. Et j'ai fait, vas-y, je prends tout. Alors... Envoyez tout, je prends tout. Ce cadeau. Ouais, si, c'était encore un cadeau. En fait, nous deux, c'est des cadeaux. En fait, ouais, ça, c'était juste avant l'été, avant d'aller en Grèce. On était matrixés, on s'est fait des cadeaux. Ouais, et du coup, bah, toi, montre le tien. Ouais. En fait, je lui avais offert celle-là. C'est moi, j'avais offert en premier. Je t'avais offert ça. Oui. Sac Prada. Après, Nana m'a offert ça. Et après, je lui ai acheté des. Claques Hermès. Voilà. En tout cas, ça, c'est ma sacoche. Donc ça, c'est le Prada, tout le monde le connaît. Il est très, très pratique. Vous pouvez aussi prendre que ça. Genre, que comme ça. Une de mes préférées, vraiment. Vous l'avez vu. Sauf pendant... que moi, je ne l'ai pas pris en noir, je l'ai pris en bleu. Vous l'avez vu à Dubaï. Décolle-toi un petit peu, là, il faut qu'on me voit bien. Voilà, vous l'avez vu à Dubaï, vous la connaissez. Cette sacoche, vraiment, elle est trop d'art. Tu la mets, tu la sens pas trop, tu peux bouger. Jambes, pieds, tu peux te battre et tout. Non, c'est carré, tu peux faire du kung-fu. Non, sérieux, ça, là, elle est grave d'art, je kiffe de ouf. En plus, c'est qu'elle a augmenté de ouf, hein. Ah ouais. Franchement, au début, je l'ai pas, mais... Je l'ai matrixé. Moi, je l'ai matrixé. Je l'ai acheté 1100, il me semble. Ouais, 1100, maintenant, elle est à 1300. Ça veut dire BNF. Et lui, pareil, hein. Il était à 1000... Il était à quoi, 1100, pareil? Non, il était à 1000. Oh, ah, non, et ouais, il était à 1000 et maintenant, il est à je sais pas combien. Bon, maintenant, on passe à mon petit bijou. Ils abusent de ouf. Ça, l'événement, c'était mon anniv. C'était quelle année? C'était l'année dernière. Et il la met jamais. Je vous jure, il la met jamais. C'est je la mets jamais. C'est parce que ça, c'est... Merde, c'est de l'autre sens. Ouais, okay. J'ai fait attention, en fait, à cette sacoche. C'est mon petit bijou. Elle n'existe plus. La tête, elle n'existe plus. Il n'y a que moi qui l'a. Qui l'est. Et vous savez, il y en a, maintenant, ils font quoi? Et vous savez, il y en a, ils font quoi pour le recopier? Ils achètent celle-là. Ils achètent la même que moi. Juste, ils enlèvent ça. La tête d'homme est ridicule. Regardez, ça là, elle est vraiment trop d'art. Les gars, allez acheter vos sacs chez les hommes. Parce que si vous achetez chez les femmes, c'est de la merde. En tout cas, c'est léger. Celle-là, je la kiffe. En plus, ça, c'est vraiment édition. Je l'ai acheté combien? C'est à 1100, je crois. C'est ça que j'ai acheté 1100. Ouais. Je l'ai acheté 1100 avant d'aller au Mexique. Et je suis encore... Mais je crois qu'elle existe en noir, non? En noir et gris, mais il n'y a plus en bleu. Et plus en blanc. Et ensuite, pour finir... Enfin, moi, pour finir, après toi... T'as pas montré ton porte-quartier? Non, mais moi, c'est à la fin. Ah, et déjà, j'ai même pas montré mon portefeuille. Moi, j'ai plus... Le Sunset,
en grand, genre c'est le large, c'est pas le médium. Le large, 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 c'est celui que je mets le plus, que je saigne le plus. Et c'est aussi le plus cher. Je l'ai eu pour mon anniversaire des 20 ans. Le meilleur anniversaire de toute ma life. Oh, sa mère. J'ai galéré à l'avoir. Hein. Le meilleur anniversaire de toute ma vie. Genre, allez voir dans mes bulles, c'était une dinguerie. C'était trop Je suis arrivée dans la chambre, je me croyais dans la caverne d'Ali Baba. C'était un film. Un film de boule. La tête de Wam que j'étais choquée. Calmer, gros, t'as ouf. Hey, je vous jure que c'était le meilleur anime de toute ma vie. Poto. Ouais, mais je suis arrivé comme un rappeur américain. Et j'ai dit, vas-y, sortez-moi tous les cadeaux. Voilà, j'ai envoyé tout ça dans la Et bref, il est grave grand. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Quand je peux renvoyer, je prends que lui parce que tu mets toute ta ville à l'intérieur. Après, c'est vrai qu'il est un peu dur. Et quand tu le mets, il est un peu... voilà quoi. Mais après, moi, je suis petite et tout. Ça va, mais c'est pas sinon, mal à l'épaule. Un petit peu des fois quand un il est lourd. Un petit peu des fois. Mais sinon, franchement, non, il est trop pratique. En vrai, moi aussi, je pourrais le prendre un peu. Mais casse-toi. Y'a pas, ouais. Non, par contre, il est grave beau, c'est vrai, c'est une tuerie. Et pour finir. Alors, ça, c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Non, t'es un putain de menteur, bordel. Ah ouais, là. C'est quoi alors? C'était pour nos 2 ans ou 3 ans. Ah oui, oula, mais maman, je nos dis 3 la ans, même. C'était à la Villa Haussmann. C'était nos 3 ans, mais qu'est-ce que je raconte? Mais pourquoi j'ai parlé de Saint-Valentin? Tu m'avais acheté le bonnet, moi. À la Saint-Valentin, j'ai rien eu. Ouais, du coup, voilà quoi. Il est super grand, c'est le plus grand en fait. C'est pas le Clémence. C'est le, je sais plus comment il s'appelle. Bah écoute, si c'est en bois, il fait mal aux fesses aussi. Ouais, il fait mal aux fesses, mais je sais que lui, je vais le garder. Ouais, wow. Par contre, ça, c'est un. En fait, il y a des trucs, genre, des fois, c'est en fait, comme un investissement. Des fois, vous mettez dedans, mais vous savez que vous allez le garder, ou sinon, vous savez que ça prend de la valeur. Un portefeuille comme ça, tu peux le garder au moins 10 ans. Ça veut dire en vrai, donc, t'es bien. Ouais, 10 ans. Franchement, là, moi, je compte pas en prendre un autre d'une autre marque. À part là, j'ai eu celui-ci pour mon anniversaire. Voilà. Mais parce que en fait c'est plus pratique et c'est plus petit. Par exemple le mettre n'importe où, vous voyez. Et lui, il est grave. Mais alors que lui, et bah je sais pas, faut sélectionner un sac pour pouvoir le mettre, etc., etc. Donc voilà, franchement lui je vais le garder toute ma vie. Et du coup voilà, et le Zadig Voltaire qui va avec. En fait ça va pas ensemble mais on s'en fout. Avec le bleu là que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est dur, on en a tout fait. Super pratique. On espère que ce sera pas nos derniers sacs et tout. Là, on est focalisé sur 2 trucs un peu, c'est-à-dire on n'achète plus trop. Mais on voit encore des trucs. On a encore mal à la tête. Ouais, mais franchement, là, en fait, en fait, c'est parce qu'on a déjà comment tout. On a dit genre, on s'est dit, et au final, en fait, on ne les met pas tant que ça. C'est-à-dire, en vrai, après, c'est de l'argent donc, gaspillé. Là, on s'est concentré sur autre chose. Ouais, là, on se concentre sur d'autres choses. Voilà. C'est-à-dire. Donc, de toute façon, vous allez voir notre vie, vu qu'on va vous filmer notre vie. En tout cas, je pense que si vous voulez, quand vous voulez gaspiller de l'argent dans les trucs comme ça, c'est mieux que vous mettez dans des sacs que dans, par exemple, des t-shirts de luxe ou des trucs comme ça, et parce même... que ça dure moins longtemps. Non, mais déjà, ça, et réfléchissez bien aussi à prendre à chaque fois les iconiques de la marque. Ouais. Genre, par exemple, les Alma Bébé. Par exemple, prenez pas un sac qui sort là et que dans un an, ça y est, il est plus à la mode. Genre, prenez par exemple, les iconiques. Des couleurs différentes qu'après, il n'existera plus. Comme ça, après, vous serez le seul à l'avoir. Voilà. Et même un jour, vous pourrez le revendre. Par exemple, moi, ma sacoche Prada, elle est bleue. Bah là, elle n'existe plus. Ça se trouve, dans 2 ans, je pourrais la revendre 2000, tu vois. Aïna, pareil, pour son sac Yves Saint Laurent bleu. Tous les trucs comme ça, voilà. Mais de toute façon, mon Yves Saint Laurent bleu, c'est un iconique. Hein. Genre, iconique. Ouais. Et le Sunset aussi, il est dans la ligne. En fait, prenez les trucs intelligemment. Voilà. Ouais, voilà. Prenez pas, ça c'est... Ah ben, si vous avez de l'argent, vous mettez ce que vous voulez. Hein. En tout si cas... Si vous avez de l'argent, vous prenez tout ce que vous voulez. C'est léger. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ouais. On a fini. Voilà, après c'est tout. Et quand on aura plus de ça, qu'on vous refera une autre vidéo. En vrai, on voulait faire aussi une vidéo de toutes nos paires. Mais le problème, c'est que moi, il y a plein de paires, elles sont à Paris, on les a pas ramenées. Et en plus de ça... Paire de luxe, c'est tout. Non, ouais, il y a plein de paires qu'elles sont à Paris. J'ai au moins 7 paires sont à Paris. De luxe, hein, je sais pas. Non, mais je vais pas faire que de luxe. C'est nul. Bah là, par exemple, c'est. Là, c'est. Ah, on voulait faire ça, non? Ok. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'hab, envoyez tout le temps. Nous, on reçoit. Envoyez des idées de vidéos. Désolé, mais on n'est pas organisé dans la vidéo. Ouais, ça l'arrache. Nous, on est comme ça. Ça l'arrache. Faire des meetings, genre, c'est vrai, qu'est-ce qu'il veut faire quand il fait des. Et il veut se mettre là en costard. Bon, aujourd'hui. Non, ça c'était avant. Maintenant, je suis détendu maintenant. Je bouge dans tous les sens maintenant. Non, ouais, là, t'es trop stressé. Quand tu fais ça, c'est que t'es stressé. Genre, il est toujours comme ça.
Non, je suis quelqu'un de motivé dans la vie, je bouge beaucoup. J'arrive pas à rester en place. C'est mes projets dans ma tête qui me font bouger. Non, bref, on rigole. Bref, là, on va parler sérieux. Venez sur nos réseaux. Ouais. Snap, Instagram, TikTok, on envoie du lourd. Snap, il y a tout notre quotidien. C'est-à-dire, si vous voulez rien louper, venez sur Snap. Après, quoi d'autre? Bah, voilà. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires. Vous, ce que vous avez comme ça, ce que vous aimez pas, blablabla. Mettez tout ce que vous voulez. On vous kiffe, on vous fait des bisous. Ouais, j'avoue, envoyez-nous vos sacs et tout sur Instagram et tout. Comme ça, après, on voit un peu notre communauté là, quoi, ouais, comme ça, de luxe. J'avoue. On fait un petit, tu vois. Mais s'il vous plaît, hein, achetez pas du faux. Achetez que du vrai. Même si vous n'avez pas l'argent, attendez un peu. Si vous n'avez pas l'argent, économisez. Allez au magasin. Voilà. Parce que ça dénigre la marque et notre plaisir à nous. Voilà. Bisous. C'est léger, bah.